à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Act of Aggression. Et aujourd'hui nous attaquons la première mission de la campagne du cartel, c'est au-delà du miroir. Cette campagne est composée de 5 missions. Et nous allons tout de suite commencer par la première mission, c'est le coup d'état. Et je vais vous laisser avec la cinématique. Il faut savoir qu'avant que je lance cette mission, que la campagne du cartel se débloque, chacune des missions se débloque après certaines missions faites de la chimère. Donc je vous conseille de faire la campagne de la chimère intégralement pour avoir toutes les missions de celle-ci derrière. Notamment la dernière mission se débloque après la mission 10 effectuée de la chimère. Donc je vais essayer la cinématique de coup d'état. This connection is secure, you can speak freely. Identify yourself. Pete Vermaak, Captain. Ex-South African Special Forces Brigade. Ex-private contractor for Damocles. And dead for 2 months. You're exactly the man we're looking for. Do you know this man? Raul Escobedo. A shady Mexican businessman. That is correct. And now it is our wish that he climbs the social ladder. How do you propose to do that, sir? Salomon Alonso, governor of Baja California, has to be removed to favor our protege's political ascension. Given the proper men, I'll deal with them. I'm more concerned about external interferences. There won't be any. To the outer world, the events to come will look like nothing but riots, degenerating into revolution. With Raul Escobedo making a timely entrance to restore peace and order. But my trusted lieutenant, Miss Yao, will take you through the various details of the operation. Our objective is to take control of the city communication tower here. And especially of the governor's palace there. The only access is over that bridge, defended by the Governor Guard. Alonso's men are equipped entirely by the Americans. They are well trained and loyal. This bottleneck could become a real death trap. The only other way to cross the river would be by helicopter. But you will need aluminum to produce them. And the airspace is controlled by this Mexican Air Force base. You'll have to deal with it if you want to be able to fly a chopper around here. Donc nous voici, je vous présenterai les spécificités du cartel un petit peu plus tard. En faisant tout envoyer nos troupes à droite. Nous allons faire une caserne ici. Attendez. Voilà. Donc vous avez 6 entières, 10 contracteurs, si je ne me trompe pas, il y a 3, 6, 8, 10. Il y aura 10 bâtiments à capturer. Ah, vous tirez un coup, vous repliez. Le Scorpion qui lance de tir très lente. Voilà. Voilà, je vous prouve que sa cadence de tir est très lente. L'avantage du Scorpion, c'est qu'il possède une très bonne portée et fait énormément de dégâts. Voilà. Mes scorpions, j'en ai plus besoin. Alors il faut savoir que j'ai toujours les crush sur Act of Aggression, uniquement sur ce jeu, plus sur les autres jeux. La seule raison que je vois pourquoi j'ai des crush sur ce jeu et pas sur les autres, c'est que j'ai mal optimisé en fait pour ma carte, pour enregistrer, c'est tout. Bon, c'est pas grave. On va faire avec. Et tout ira bien. On vous dit contracteur, il y a 6 LEM, 3 de chaque côté. Un héliport, qui, si vous le capturez, c'est un de vos objectifs secrets. On va perdre une unité de Grinch. Ils n'auront pas après d'autres appareils aériens, donc profitez-en. Donc ça ici... voilà, voilà.
Ensuite ici, ici et ici. Et après on capture tout ce qui rapporte du pognon. Voilà. Donc ici les Vipers, j'en ai pas mal. Je fais ma prison où je n'aurai que 5 prisonniers dedans et pas 10. Pour un coût de 2250 plus 500 d'alu. Ça coûte 1500 le bâtiment de base. J'ai fait con. J'aurais dû prévoir ce coup là que mes troupes allaient faire sauter. Un transporteur. Upgrade completed. Je vais faire deux. Base is under attack. Là, on va en faire deux aussi. Voilà. Et là, ils vont détruire ça. Et ça sera bon. Donc, la caserne peut être projetée un peu n'importe où sur la map. Vos troupes d'infanterie coûtent pas très cher, mais vous pouvez récupérer la moitié de leurs coups s'ils sont tués. Ce qui peut être bien sur le long terme, ça évite de trop perdre. Donc, économiquement, c'est une très bonne. C'est pas la meilleure des factions. C'est une des plus à la traîne, hein, qui dépend énormément des ressources de la map. On économie, get game. Elle peut pas construire grand chose pour avoir de l'argent. Air control center is down. We own the sky now. Ah, donc on récupère quelques prisonniers. Le centre de réparation est bientôt réparé. Enfin, est bientôt prêt. Et pour avoir une deuxième caserne pour d'autres prisonniers. Building completed. Regarde, niveau économie, je suis bon. Donc, ça, le bâtiment va être construit. Et en fumigène, j'en ai pas vraiment besoin, mais je vais le faire quand même. Ça coûte pas très cher, donc. Autant le faire. Voilà, donc, juste à quelques prisonniers, ce qui est très agréable en soi. Je vais en faire 6. Dans chacune, donc ça me fera 12 unités d'infanterie pour récupérer toutes les infanteries là et tuer. Donc je vais très dynamique, très réactif là sur cette partie. Ces raffineries là me rapporteront des ressources, de mémoire, il y a encore un dépôt de ressources ici. Donc au début vos surplombs détruisent les véhicules là, l'Abrams plus les deux transporteurs de troupes avec leurs grenades. Vous capturez toute cette base. Et après, comiquement, vous êtes parfait sur cette partie. Vous êtes au top. Voilà, il y a plus de prisonniers que ça. C'est parce que je pensais, j'ai raison de prévoir plus. Alors, 5 ici pour prendre le bâtiment à côté et retirer dessus. Et reste dans le même bâtiment. T'as beau être pas meilleur des unités d'infanterie par rapport aux autres factions, c'est pas pour autant qu'elle est mauvaise. Voilà. Ici on a vu certaines unités leur coût, à moitié de leur coût dessus. C'est leur coût que j'ai récupéré. Déployer un peu partout les casernes, ça permet de faire d'avoir un peu partout des casernes et donc des troupes. Normalement, les marines je vais pas, et la dernière unité c'est celle-ci. Voilà. Voilà. Donc niveau prisonnier, je suis bon. Niveau économie. Je suis presque bon. De mémoire, il y a un champ d'aluminium encore ici, ou d'argent, je sais plus. Je vais faire un scout aérien pour voir ça. Enfin, pour savoir où c'est exactement.
Ouais, ça part très vite les 7 PV. Building completed. Donc le Cherchen peut avoir un double lance-roquette. Mon scooterien va monter en haut, pas en bas bien évidemment. Double véhicule de réparation, ça c'est important. D'ailleurs on va faire d'autres scorpions pour les unités anti-char, vu qu'il faut faire énormément de chars. Aluminum field is under control. Now we can beef up our strength. Toc toc toc. Unit is under attack. Il va peut-être me détruire, scorpion. Ouais, c'est bien vu. Donc nous on va faire une petite coupure ici au cas où, comme d'habitude. Donc à tout de suite. Donc nous revoilà, donc je fais la sauvegarde, j'ai oublié de la faire, voilà. Donc bon, mon ordi plante pas totalement, je vous rassure. C'est juste ce jeu qui plante, hein, pendant que je suis en train de filmer. Donc c'est largement gérable. Mais bon, ma sauvegarde est perdue aussi, hein. Tout ce que j'ai fait en contenu est perdu. D'où ma prudence. En risque, l'avantage c'est que ça vous n'êtes pas limité par les routes, tout ça, donc c'est bien. Cependant, ça transporte que 200. Donc ça rapporte un taux assez lent de ressources quand même. Bah, avec deux véhicules de réparation, ça va vite. Voilà, j'ai eu. Il faut planter, j'ai un petit crash, je sais pas si vous l'avez vu sur la vidéo. J'ai pris quelques images. Mais c'était récupéré. Ouais, mais je l'ai fait. Je me suis déjà détruit. Bizarre. Donc là on va faire des automatiques. Donc les automatiques ça a 22 PV actuellement et ça c'est plutôt efficace contre l'infanterie contre les hélicos, on est même en train de faire des Grinch. Hein. Et vous faites plein de troupes d'infanterie, ça marche bien aussi. C'est vraiment le cartel, c'est vraiment une armée de projection. Voilà. Ça comme ça, ça. Donc c'est bien d'avoir de récupérer des troupes, c'est enfin des prisonniers, c'est parfait, tandis que vous augmentez votre économie derrière d'argent. Et seulement que vous ayez à l'infini des aluminium, c'est d'avoir des prisonniers. Il faut 5 prisonniers dans une caserne, vous transformez ça en aluminium. D'accord, m'attaque à coup de blazer maintenant. Unit is under attack. Voilà. Des Abrams ils ont aussi, hein. Sinon ça serait pas drôle. Hein. Voilà. Unit is under attack. Non, là on va vraiment récupérer beaucoup de matériel, ce qui est pas plus mal. Et on va mettre des pièces d'artillerie. Faut savoir que les pièces d'artillerie s'autodétruisent, donc attention quand même. Hein. En plus, je vais en mettre une ici. Si vous les détruisez, ça fait un grand souffle d'explosion et vous perdez énormément de choses, donc faites attention quand même à ça. Et nous, là, on va lancer un petit assaut. Pour faire notre objectif secret qui est de traverser le pont. Mm-hmm.
On nous a déconseillé d'attaquer. Voilà, on l'a accompli. J'ai quand même fait voilà, pour vous montrer que c'est du suicide, ça sert à rien. L'armée, je la sacrifie, hein, c'est ce qui est passé. Et on va faire des pièces d'artillerie. On va les améliorer pour augmenter leur portée. Et on a, on a déjà rempli toutes les prisons déjà. Ah là là. Finalité, ça sert à rien d'envoyer au casse-pipe aux troupes, hein, mais bon, c'est un objectif secret qui était ça. Voilà. Pas ça, les cherchaines. Vous faites en 4 des cherchaines et vous mettez l'amélioration ça avec le double lance-missile, c'est ultra efficace. Hein, bah, avec l'avantage de l'artillerie, c'est que je vais pouvoir dégommer les bunkers en face. Il faut savoir que vous pouvez construire avec ce bâtiment, avec le Super Hein, donc un hélico de transport efficace contre les... On va dire les véhicules début de partie, c'est pas le meilleur ATGM du jeu dessus, et capable de transporter surtout 10 infanteries. Donc après vous avez le véhicule là, moi je préfère faire des Osprey dans cette mission plutôt que Super Hein. C'est un choix de jeu, c'est purement personnel. Donc les deux sont jouables, après c'est à vous de trouver votre... Voilà. Je me demande s'ils sont à portée... Ouais, ils sont à portée de bunker. Vous pouvez juste... C'est surtout bunker que je voulais avoir, voilà. Upgrade completed. Je manque d'argent quand même. Ah non, ma soeur qui n'exploite pas. Et là, vous voyez une des grandes forces en fait, c'est qu'il peut faire. Cette faction peut facilement prendre du contrôle map et harceler derrière. Ce qui est vraiment dérangeant pour les autres. Hein. Mais bon, le problème c'est qu'en late game, ils ont un problème économique qui est énorme. Voilà. Bon, en même temps, plus de casernes qui soignent. La nation en soi n'est pas mauvaise, l'idée de gameplay est bon, mais après il y a des problèmes d'équilibrage qu'il faudrait voir. Enfin, par rapport à d'autres factions. Voilà. Ah, c'est déjà bien, donc on tire dessus. Et voilà. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous envoyez de l'autre côté une caserne, par exemple ici, et après vous envoyez de la, plutôt ici, et après vous avez plein de troupes d'infanterie envers le dessus. Voilà. Après moi je trouve que ça fait plus stylé d'envoyer des hélicos de transport avec des troupes. Et une fois que vous avez dégommé en fait le bunker, les trois bunkers, grâce à votre artillerie, ben vous en profitez. Vous pouvez vous préparer énormément de blindés derrière et ça passera. Voilà, hop hop. Donc à droite il y a énormément d'infanterie, c'est pour ça que j'envoie que de l'infanterie. Les véhicules sont regroupés autour de sa demeure.
Et tant que l'artillerie fait le travail, j'ai pas besoin de, forcément plus. Voilà. Crossing the river is the easy part. Establishing a secure bridgehead will... Part of the bridge's garrison is moving against our bridgehead. Be ready to receive them. Unit is under attack. J'aurais dû faire quelques hélicos de soutien quand même pour... Je vais faire tout de suite. J'avais oublié qu'il y avait quelques strikers AGS, pas vous mentir, j'ai totalement sorti de la tête. Mais bon, les bâtiments sont assez résistants, le Gatling a fait un peu de dégâts sur le véhicule. Donc je fais des guardians parce que ça se construit plus vite, ça c'est ça, sa contre-attaque, c'est parfait. Ici vous prévoyez d'autres infanteries à envoyer. En fait vous maintenez avec de l'infanterie l'ennemi et vos échos s'occuperont des blindés hein. Ouais, l'avantage si vous avez une caserne, c'est que vos troupes vont se soigner automatiquement. Et ça va être ultra fumé. Bon. Mes échos ont fait le travail, j'ai neutralisé la principale menace. Et voilà, ah, je débarque. Voilà. C'est pour ça que j'ai autant prévu d'infanterie derrière. Bon, j'avais juste oublié en fait les véhicules. Mais... Bah. Puis vous faites quelques super runs derrière au cas où. Voilà. Maintenant, on va récupérer ce bâtiment-là. Que des Stingers, parfait. Tu savais qu'il y a des Stingers quelque part, je me demandais où. Okay, Capitaine. Now we can flood the news with the awful truth about Alonso's tyranny. Là, par contre, les mains d'ennemis vont commencer à venir nous déranger. Sinon, ça serait trop facile. Hein. Vu que leur production est là, ils envoient souvent des blindés sur ce côté-là, donc là, les troupes anti-chars peuvent être pratiques à ce moment-là. Si je peux faire sauter le courant, c'est parfait. Bah, c'est ce que je craignais, c'est que les... Parfait, ils ont plus de courant, donc plus de production.
faut vraiment les empêcher de reconstruire des générateurs. Ouais. Derrière, on envoie les troupes dans ce bâtiment. Et voilà. En soit très simple, mission. Hein, ah, on détruit un peu tout. Les chercheurs ont une excellente portée, donc ça fait énormément de dégâts à profiter d'en. C'est la paix, ça a combien la paix ça? Allez, on récupère ça, eux ils vont dégommer le dernier bâtiment et c'est fini. Good job. Now, Capitaine, take your men out of the city. Raul Escobedo will arrive soon to save the day. Miss Yao will handle him from here. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo en ma compagnie. Je m'excuse du petit moment où on a pas quelques images. J'espère que ça se verra pas sur la vidéo. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Et à tout le monde. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Une autre fois.